Oui, chérie, mais tu crois que c'est gay, oui? Ah oui, l'appareil photo, le lit, et ça, c'est quoi, son découvert? Oui. Ce lourd. Attention, les enfants. On dirait qu'on part pour un an. C'est terminé maintenant. Qu'est-ce qui a tapé sur... Karine, pourquoi tu pleures? Parce que je les ai récoltés dans le soleil. Mais regardez un peu, les deux petits, hein, ils ont trois fois autant de place que les deux grands. Allez les deux petits, bougez-vous un peu. Allez, le grand là, bon, ça va, c'est bien maintenant. Je vais vous donner les livres, hein, et vous n'allez pas vous disputer, hein, parce que maintenant j'en ai marre. Hein. Si vous disputez encore une claque à chacun. C'est bien, hein, on part en week-end, il faudrait tout de même rester... Allez, on va s'entendre les gosses, ok? Allez, c'est pour qui celui-là? C'est Nathalie qui a fait ça, hein? Bon. Celui-là, voilà. Ça c'était Eric? Lequel? Celui-là? Oh oui, c'était Eric qui l'avait pris, c'est juste, tu sais, Karine. Celui-là, ça c'était Karine. Ça c'était Karine, allez. Oui, tu en avais deux, Eric, voilà, celui-là, regarde. Oh, que c'est gay les week-ends avec vous. Écoutez, on part en week-end, on se dispute pas ce week-end, ok? Moi, oui, que t'es gentil. Toi aussi, hein, Eric, tout le monde va être gentil. Allez, chouette alors. Oh, c'est ok? On se dispute plus? C'est fini pour le week-end. On se dispute plus avant lundi soir. Hein? C'est bien. C'est même grave, hein? Oui? Voilà. Voilà. On est partis, les enfants? Ok. On est parti pour la mer, hein? Ah oui. On n'est pas encore tout à fait sur l'autostop. Enfin oui, je vais t'aller une gaufre, c'est bon. Essayez de ne pas faire des saloperies dans la voiture, hein. Mangez proprement, hein. C'est... Non mais je roule pas trop vite, mais si tu veux. Hier moi ça, il a une voiture du tonnerre, là, et c'est un escargot. C'est incroyable, hein. Ça sert à rien t'énerver pour les 5 minutes qu'on va arriver plus tôt, tu ben sais. Non, mais bien sûr, chérie, mais enfin, il faut tout de même tenir une moyenne, hein, on ne vient pas avec une voiture. Il a une voiture 2000 et il fait du 40 à l'heure sur l'autostrade. Après, quelle importance est-ce que ça peut bien avoir? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que ça peut me faire, c'est que quand je dois le dépasser, chaque fois je prends un risque. Oui, Michel. Il pourrait tout de même faire du 40 à l'heure. Alors on dit que parce qu'on roule trop vite, on a des accidents. Mais ce sont des gens comme ça qui font faire des accidents, tu sais. Pas juste? Oui, Michel. Quoi, t'es... Oui, Michel. Je vois bien que t'es pas d'accord avec moi, tu sais. Non, je suis pas d'accord. Ça va, mes enfants? Nathalie, Eric, vous avez fini? Ouais, ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Hein? Ça bon. Suffit, hein, maintenant. Ah, je suis curieux de voir ce bungalow. Tu vois pas? Oui. Un bungalow, ça doit être bien, hein, dit. D'après ce qu'il explique, il est bien là-bas, lui. Hein? Oui. C'est gentil de nous l'avoir prêté. Hein? Bon. Je me demande si les gosses sont bien. Ah ben, d'après lui, il y a même deux chambres à coucher, il dit. Oui, bien sûr. Et une salle à manger, qui dit. Oui. Bon, non, mais je crois que ça doit être bien, tu sais. Alors, il doit avoir l'aération là autour. Il y aura sûrement tous les gosses jouer là dans ce camp-là, ou quelque chose comme ça. Quoi? Bon, d'ailleurs, il faudrait... Hein? Si, hein? S'il fait beau. Ben oui, s'il fait beau, évidemment, ça c'est toujours la question. Mais enfin, s'il fait pas beau, on a pris des jeux aussi avec eux, hein. Et on sait toujours faire tout de même un petit tour à la digue ou quoi. Je crois que ce sera bien. D'après ce qu'il explique, c'est un beau petit bungalow. Hey guys, ah non, hein, qui est en panne. Oui. Je croyais que c'était déjà les gendarmes qui commençaient. Enfin, jusque maintenant, on n'a pas vu, hein? Non. Bien. Oui, oui. Vous avez fini, Nathalie, Eric. Attention, ici, c'est sur une banque. Oh, ça y est, des noms de gens. On n'a pas encore fait 20 km qu'on est... Regarde-moi, il fait quel bouchon, toi, là-bas. Mais ils l'ont annoncé à la radio, Michel. Ben oui, mais dis, écoute... Ça, il l'avait annoncé. Franchement, hein, ça ici, tu sais, regarde, tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu élargir, à quoi ça sert? On s'est même roulé là-dessus. Pourquoi faire? Oh là 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 là, ça y est, tu sais. Attention, hein, parce qu'il y en a un qui... Oui, tu as pas la petite cloque, chérie, ouais, la petite cloque. Ah, là, là. Quel pays. Fais-moi ça maintenant. Eric,
Ils sont là. Ils sont vraiment bons qu'à ça. Hein? Oh. Il y a plus d'une heure et demie qu'on est parti, dit. Et on a fait 40 km seulement. C'est incroyable. 40 km sur une heure et demie. C'est ça, derrière le temps de perdre un petit week-end. Une demi-journée, certainement. Aller-retour, on perd plus d'une demi-journée. Heureusement, c'est un week-end de 3 jours, mais faire ça. Pour 2 jours, hein. Tu passes une demi-journée pour faire 100 km aller-retour. T'as 6 heures sur l'autostrade. C'est pas parfois 7 heures, ça fait presque un jour. Ça, c'est idiot, hein. Avant d'arriver à la mer, je crois que j'ai. Vous allez avoir tous les cas d'une bombe tripompée pour vous remettre les idées en place. Arrête, ça va avec, arrête avec ça. Vous allez comprendre maintenant. Tous les quatre, oui. Grand de Dios. C'est amusant pour personne d'être si longtemps sur la route. Hein? Allez, lisez encore un peu un bouquin ou quoi? Eric, tu as fini avec ce truc? Avec. Qu'est-ce qui doit occuper? Non, ça va, c'est hein? Ça va. Allez, on y est presque, les enfants. Il n'y a plus que 14 km. Et la route est dégagée. On ne mettra plus une heure et demie, vous savez, pour en faire 20. Là, maintenant que je m'y retrouve dans le chemin, enfin, parce que c'est tout mis en flamand. Hein. Ici, mais ça c'est bien. La seule chose, c'est que pour aller dans ta cuisine, tu dois sortir chaque fois chaud. Oh. Oui. Viens pas, ouais. Non, tu ne passes pas par ici. Oh, c'est rigolo, hein? C'est bien, hein? Il y a ta pique comme chez vous, hein? En tout cas, c'est joli l'intérieur, autrement. De ceux qui vont aussi vite que nous, hein, en définitive. Et avec un petit bébé et tout dans le bazar.